Bien, alors vous n'êtes pas là pour nous parler d'un de nos amours, mais vous êtes là pour nous parler d'un autre film qui sort aujourd'hui, une super production à la française d'Alain Corneau. Ça s'appelle Force à Yann, il y a du beau monde, il y a Depardieu, Noiret, Sophie Marceau, Catherine Deneuve et d'autres encore. C'est vrai, mais c'est surtout un film qu'on attendait depuis près de 3 ans, parce que c'est une production absolument énorme avec un budget colossal. Et le tournage a été plus ou moins arrêté pour des raisons financières, repris. Alors tous les cinéphiles se demandaient un petit peu si on finirait par le voir. Non seulement on finit par le voir, mais en plus il va ouvrir le Festival de Cannes d'ici quelques jours. Et c'est bien qu'un film français ouvre une telle manifestation. On peut le voir d'ores et déjà en salle, donc depuis aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle un film d'acteur. C'est-à-dire qu'Alain Corneau, le cinéaste, qui avait beaucoup tourné avec Yves Montand, qui avait fait des films chouettes comme La Menace, comme Police Piton, a pris des valeurs sûres du cinéma français. Vous l'avez dit, c'est Depardieu, c'est Catherine Deneuve dans une participation amicale. C'est aussi Sophie Marceau ou Camille de Casabianca pour la partie jeune comédien. On dit même que c'est le premier grand rôle de Sophie Marceau. Oui, je crois, parce que La Boum, c'était... Là où elle est mise en valeur, quoi. Voilà, c'est ça. La Boum était quelque chose de sympathique, mais enfin là, elle pourra, je pense, prouver ses véritables talents de comédienne. Alors je crois que c'est un film intéressant à tous les niveaux, aussi du point de vue des décors, parce que ça a été tourné dans le désert mauritanien. C'est un beau voyage, c'est du grand divertissement, je crois. Bien, merci Vincent. Si vous voulez, on regarde tout de suite un extrait de Force à Yann d'Alain Corneau. Madame de Fazilette, monsieur. Je viens vous demander la main de la nouvelle votre fille. Madame, monsieur. Je fais le projet d'épouser Madeleine. Oh non. C'est le nom. Voilà, Force à Yann d'Alain Corneau, donc, que vous pouvez voir à partir d'aujourd'hui.